Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. We'll be right back.
avant que nous commencer et moi crois que et pays a et sous question Covid là gain en pile et peur mais gain en pile victime tout et ça fait quelques jours n'a compté victime et des personnalités de grandes figures qui braler et c'est avec en pile peine que nous connaît communauté catholique là aujourd'hui conseiller évêque dans tout pays dans tout archidiocèse et particulièrement dans archidiocèse et Port-au-Prince qui fait perdu monseigneur Ducange Sylvain qui c'est évêque auxiliaire dans l'archevêché Port-au-Prince qui mourit à l'âge de 58 ans côté que malgré soin qu'il t'a recevoir dans l'hôpital Mien-Balais depuis le 31 mai eh bien il est allé quitter nous. Condoléances à toutes catholiques dans le pays. Condoléances pour tout haïtien si on perd pour Haïti. Condoléances à tout monseigneur et particulièrement l'archevêque de Port-au-Prince. Je vous dis, je pense que nous tous devons comprendre la gravité du problème Covid là dans le pays. Pas oublier que nous avons passé en première phase. En première phase, côté que nous avons remporté une victoire. Mais la bataille n'a pas fini contre Covid. Il y a deux variants qui entrent dans le pays. C'est le variant brésilien avec le variant anglais. Et deux variants, ça est plus dangereux que la version initiale là. Et il a fait des dégâts. Dans ce sens-là, le ministère de la Santé publique, cellule scientifique sous question et sanitaire qui a accompagné le Premier ministre dans le cadre de travail, ça, nous fait des recommandations très claires. Et en dedans, recommandations, il y a un premier arrêté qui est sorti, ou encore état d'urgence de 8 jours, sous recommandation du ministère de la Santé publique. Il reconduit pour 15 jours et qu'on paquette mesures qui supposent prendre. Et c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, au niveau gouvernement, nous demandons tout le monde pour prendre des grandes dispositions. Tout le monde dans le gouvernement pour prendre les grandes dispositions. Nous faisons apprendre tout que il y a l'autre responsable dans l'État qui a tombé. Mais avec courage, le peuple haïtien, nous sommes peuple d'endurance. Moi, c'est que nous avons capable de succomber et en fait, quimber avec tout bagaille. Donc, condoléances pour tout le monde. Hier, après que CEPA, qui c'est Conseil électoral provisoire, que l'y recevoit rapport du ministère de Santé publique et rapport de cellules et nous sommes capables de dire et sanitaire ou encore cellule scientifique qui a travaillé sous question Covid qui met en place depuis la maladie entrée dans le pays. Eh bien, CEPA, il sortit une note pour lui dire que il trouvait une obligation pour ajourner le scrutin référendaire du 27 juin 2021. Et quand le CEPA continue pour le dire dans notre lien, la décision ça est motivée par la difficulté que le Conseil électoral a gagné pour être capable de former ensemble personnel vacataire pour réaliser ce scrutin. Alors, la première partie ça a été expliqué pour que les gens comprennent, c'est que matériel sensible qui pour permettre de faire le référendum, matériel non sensible, yo tout matériel ça yo déjà arrivé en Haïti et ceci depuis 15 mai. Et parmi matériel ça yo, il y a une isoloir, il y a matériel pour faire formation, téléphone pour centre tabulation,
tout bagage ça arrivé en Haïti et matériel ça leur arrivé, il demande mobilisation en grand personnel qui vous permettre de préparer des kits dans un premier temps qui pour dispatcher dans 10 départements dans bureau et électoral départemental et ensuite pour yo voyer dans différents communes yo pour aller dans centre de vote pour que processus là démarre. Bagay sa yo mandé mobilisation en pile monde. Mais en plus sous question formation que CEP a parlé à pour réaliser élection, ça veut dire jour élection, gagner un personnel, ça nous les personnel vacataire de plus de 60 000 monde qui supposé mobiliser à travers le pays. Et pour moun sa yo mobiliser, c'est eux-mêmes qui à travers 12 000 bureaux de vote qui pral gagner yo, qui pral président, qui pral vice-président et qui pral secrétaire en dans bureau de vote yo, qui pral gagner pour mener scrutin jour ça. Mais faut moun sa yo formé. Et matériel qui pour faire formation yo, expert qui pour faire formation yo, tout bagay sa yo disponible. Mais faut te regrouper yo en des groupes dans des grandes salles, dans des grands espaces qui vous permettre formation ça yo te fait. Il y a un centre tabulation qui lui-même c'est centre côté que yo pour aller compter résultats scrutin yo. En dans centre tabulation en tout, il y a plus de 800 monde qui sont supposés formés par CEPA. Ça te demande une grande mobilisation. Covid là bien affecté ça à tout. Au niveau de la police nationale, il y a plus de 13 000 policiers qui étaient disposés à déployer à travers le pays qui pour sécuriser les centres des bureaux de vote. Là tout, il y a des formations qui pour être faites pour ensemble policiers ça yo, pour ensemble monde qui pour travailler dans la question sécurité électorale yo. Bagay ça yo, nous vinn handicapé par ensemble de mesures que le ministère de la Santé publique lui-même lui mandé. Faut que nous disions dire que en dans recommandation ministère santé publique yo faut plus partie 10 monde pas ta réuni dans salle qui pour permettre éviter que virus là li développer et circuler beaucoup plus. Donc en tant qu'on l'état responsable nous au niveau gouvernement nous te voyé rapport sanitaire yo by CEPA et CEPA en tant qu'institution indépendante responsable li analyser document sa yo. Nous songe le te font premier note pour te dire ka gen possibilité vendredi a pour que li agi et l'attend plus rapport ce que le mandé li joine rapport additionnel que le demandé yo après réunion qui fait entre différentes instances dans gouvernement avec conseil électoral là et cellule et ça n'a capable les scientifiques sous question coronavirus là rencontre ça a été fait samedi sous directive premier ministre mon CEPO yo prend note et hier yo réuni côté yo de manière responsable et indépendante sorti en note pour dire que yo font camper sous référendum. Deuxième partie note CEPA il dit, par conséquent, un nouveau calendrier d'activité référendaire et électorale sera adopté, publié par le Conseil après recommandation des autorités sanitaires et les avis techniques des cadres de l'institution électorale. Deuxième partie, ça, pour nous comprendre, c'est que, contrairement à ça que moi j'ai circulé sur les réseaux sociaux, ça m'a dit, CEPA n'a pas dit que le pape fait élection avec référendum. Pour qui ça? Parce que nous comprenons que le pays a devant deux pandémies. Une pandémie qui c'est Covid, une autre pandémie qui est plus grave. C'est chaos qui attend, désordre qui attend le pays. Si 7 février 2022 est arrivé et que pas gagné un président qui est élu, pas un personnel politique qui est élu, pour que transfert de pouvoir fait de président Jovenel Moïse à nouveau président ça.
ça c'est une pandémie qui est plus grave que ça n'a pas suivi là. En tant que citoyen conscient de notre communauté de destin, j'ai à la fois l'honneur et le plaisir de prendre part à ce forum sur les prochaines élections et l'avant-projet de constitution préparé par le comité consultatif indépendant en vertu du décret du 28 octobre 2020 et s'appuyant sur les rapports de différentes commissions et consultations réalisées dans le pays entre 2007 et 2020 sur les limites de la Constitution du 29 mars 1987 actuellement en vigueur. In limine, il est important de souligner que le CCI, dans le cadre de la rédaction de cet avant-projet de constitution, s'est aussi appuyé sur un ensemble de réflexions, de colloques, de débats et des idées émises du lieu des universités sur la nécessité d'adapter et de rationaliser le régime politique, d'un meilleur rééquilibrage des deux pouvoirs politiques, de mieux harmoniser l'ingénierie institutionnelle et administrative des collectivités territoriales, de mieux intégrer la diaspora et la jeunesse dans la vie politique du pays. Cette approche documentaire et multiniveau a été complétée par des échanges avec une trentaine d'experts nationaux et internationaux. Il s'agit donc d'un texte issu d'un large processus participatif combinant et harmonisant les idées des élites, des masses et des secteurs vitaux du pays sur la Constitution du 29 mars 1987. En dépit de tout ce qui précède, l'avant-projet de Constitution est mis en débat. D'ailleurs, récemment, le CCI a publié une deuxième version de l'avant-projet de Constitution suite aux différentes consultations effectuées partout dans le pays et auprès de différents secteurs de la vie nationale. Le texte est donc porté dans le débat public de sorte que chaque citoyen puisse émettre son opinion éclairée sur ce qui va être le prochain contrat social. Dans l'éventualité où le peuple, le souverain, décide de l'adopter lors du référendum constitutionnel qui aura lieu à la nouvelle date, qui sera décidée par le Conseil électoral provisoire travaillant en toute indépendance. Par ailleurs, force est de constater qu'une infime minorité de mes concitoyens, parfois manipulés, mais parfois aussi pour des raisons purement politiciennes, tentent de jeter le discrédit sur cette initiative louable en vue de la torpiller aux dépens d'une nation qui souffre quotidiennement des manquements et des incohérences de la Constitution actuelle qui s'est déjà révélée comme une source d'instabilité. En effet, nul n'a besoin d'être un fin lecteur du sociologue français Michel Crozier pour comprendre la résistance au changement. C'est à la limite consubstantiel à la nature humaine. Toutefois, après plus de 30 ans d'existence, même si la Constitution a ses mérites sur le plan des libertés individuelles et collectives, il faut quand même prendre du recul et de la hauteur
pour admettre qu'elle a fait son temps. D'ailleurs, ce constat est largement partagé dans la société et par les meilleurs constitutionnalistes. Mais un petit groupe de citoyens, par méfiance, ont peur d'appuyer le processus malgré qu'ils soient conscients de la nécessité d'une nouvelle constitution. Chers concitoyens de l'opposition politique, n'ayez pas peur. Soyez rassurés de la neutralité du processus démocratique devant amener le peuple à se prononcer souverainement sur l'avant-projet de constitution lors du référendum. Parce que depuis la maladie, c'est pas la première fois, nous connaissons que, bon, faut à dire politiciens, ils ne savent pas jamais l'avantage population. Ils ont fait comprendre que la maladie n'a pas existé. C'était le gouvernement qui a fait propagande pour la maladie, pour les affaires parler. Mais je suppose que la population a attendu dans le moment là qui va le monde qui a tombé. Parce que nous connaissons que, il y a un peu de monde, parce que nous connaissons le pays. Son pays, c'est mon âme, non seulement qu'il existe là-dedans, il n'y a pas malheur au point. Et nous connaissons bien le malheur de mourir, mais je veux dire, je crois peut-être que c'est le bon mon âme, non, qui a mouru, mon antigène en plus, je vais prendre maladie au sérieux. Et nous croyons que maladie a existé, le gouvernement, depuis 19 mars dernier, enfin, année dernière, il était pris en disposition pour te protéger la population contre la maladie et un peu l'effort qu'il fait. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans un état d'urgence sanitaire. Nous croyons que c'est justement pour continuer à protéger la population. Et nous croyons que il y a un paquet de mesures que le gouvernement prend. Et nous connaissons la population pas respectée parce que. Il faut à dire population attend que ces répressions pour faire pour comprendre que les gens couvre-feu il faut qu'ils respectent là où Dieu mette masse là faut que ces bâtons pour tabac pour mettre masse là là où Dieu en dans camionnette même si ouais un monde pas mette masse yo même mette masse pas parce que c'est une qui protège l'autre là mais mon yo quitte nous à conclusion bien laisser boire pour tabac pour comprendre que bon maladie là, maladie là, la tue moun, maladie dangereux. Nous tendons ça le faire dans l'autre côté. Yo. Tout pays, après l'amour, il y a un pays, maladie ça, il y a 2 ans là, la tue moun là, dans pas pile et pas paquet. Il y a des côtés moun, yo pas comprendre que je dis à la maladie ça a passé, mais li ramasse moun tellement que yo pas même remettre moun yo. Bah, les familles ont tellement de monde pas pile pas paquet. Et toute disposition que le gouvernement prend, c'est justement pour protéger la population, parce que nous croyons que les bagailles sont pas faciles, et il faut que la population comprenne que la maladie est réelle, elle est là dans le temps nous, et tout le monde a fait deux gouttes pour non seulement protéger la tête, mais protéger l'autre monde. Et moi-même qui là, je crois que. Depuis la deuxième vague là, j'ai perdu plus que une vingtaine de monde que je connais. Et quoi que faut nous dire population pour faire très attention. Et mesures il faut que respecter yo a fait de nèg a fait carwash et bah été sourit sous que dada et bah ça yo ka font petit camper sur parce que dada yo toujours là. Et mais j'ai maladie après aller à là, je crois qu'il y a une disposition pour mieux comprendre que c'est pour tout bon. Et il faut nous protéger tête. Nous connaissons ça qui réunit tout le monde dans Cyprès. Bon, nous sommes obligés de faire là, j'en m'a fait là parce que en tant que ministre de l'Intérieur, je pensais que en dehors de l'effort que le ministère de la Santé publique a fait pour informer la population et en tant que. On fait un organe qui est censé être responsable de santé tout le monde dans le pays. Je pense que je dis à la collègue qui l'a collègue Rockefeller comme monde qui est censé être responsable de sécurité publique dans le pays, avec moi-même qui l'a comme monde qui est responsable de sûreté dans le pays, nous sommes supposés arranger nous pour nous faire message ça à passer parce que
même collègue Mathias qui l'a capé organisé et tout ça qui t'a supposé à rejoindre le peuple là pour le peuple là comprendre nécessité de gagner en un pays là pour que nous t'a capable de gagner une nouvelle constitution et puis au grand transfert de pouvoir qui fait le 7 février 2022 à partir de l'élection libre, démocratique, crédible et honnête. Et nous tous nous là, nous croyons que nous tous concernés. Enfin, premièrement, santé population, deuxièmement, santé pays. Hein, parce que nous croyons que l'instabilité a bien là, je veux dire, il détruit santé pays. Hein. Et nous là, je veux dire, c'est pour nous parler de nouvelle constitution. Hein. Et je veux dire, comme M. Villefranche t'a précisé, je m'occupe de deux chapeaux. Dans la tête, moi, mon chapeau diaspora, comme ministre haïtien qui vit l'autre bord de l'eau, et puis moi, j'ai un chapeau, et ministre intérieur avec collectivité territoriale. Et je peux parler de diaspora en avant parce que je ne peux pas aller faire baille dans des autres, parce que je suis ministre diaspora en avant, ministre intérieur. Alors, je crois que tout le monde connaît la bataille que j'ai fait pour être capable de arriver et mener la diaspora dans ce qu'elle fait aujourd'hui. Et faire la diaspora intéressée à participer. Et j'aime toujours dire, je n'ai pas un discours pour la diaspora. Et je dis, c'est le même discours que j'ai pour la population en tout. Le discours de la diaspora, c'était que le parole et la nouvelle constitution de commencer à parler. Moi, j'étais les organisations en contact avec la diaspora pour me dire autant de bien. Moi, mon propagande qui a fait la contre la nouvelle constitution que pratiquement il a travaillé sous l'IA, moi-même pensais que nous n'avons pas dû entrer dans le jeu de ça. Pour qui ça? Parce qu'en Haïti, il y a un comportement que des gens ont toujours eu. Ils ont fait affaire, de vous parler, ils ont tout fait l'air d'eau. Et depuis qu'ils ont fait l'air d'eau, ils ont tout mis dehors. Et moi, cité ça comme exemple, et c'est dans la Constitution 87 là tout droit, pour moi, dire que. L'article 241, là, le fait que vous avez fait le fait de la constitution derrière de ma coute, vous avez tout mis ma coute dehors. Ça veut dire côté nous là, je crois que moi-même, en tant que petit éditeur, qui était un gros du valiste, bon, jusqu'où il y a moi-même, je crois que je en bien, jusqu'à présent, pas coffre, je pote à femme. Et c'est ça qui fait que faut gagner nécessité pour une nouvelle constitution, pour exclusion, que nous, ouais. Qui était grand dans la constitution en 87 là, il a campé. Et je dis à l'homme d'expliquer diaspora que attention pour ne pas quitter le dehors, ça que tu comprends, ils ont embarqué. Et effectivement, nous connaissons qu'en janvier, on a organisé le congrès constitutionnel de la diaspora. À travers le congrès constitutionnel de la diaspora, à travers plusieurs organisations, tu as fait plusieurs propositions. Et dans la proposition ça, moi je crois que jusqu'à présent, le moins lit deux textes qui sont déjà, il y a au moins 65 à 67% de propositions que diaspora a été fait que retenu. Parce que je dis à la gamme le monde qui parlait de CCIA, qui a passé jeton discrédibilité sous l'île, bagaille comme ça fait comprendre, c'est le président Jovenel ou bien les armées qui a fait. Et je ne sais pas quoi c'est ça. Et parce que le que. Et moi, j'ai participé dans la première réunion, j'ai participé avec CCIA, c'est justement parce que la délégation diaspora est entrée, qui était rencontrée non seulement CCIA, mais était rencontrée exactement avec le ministère des Affaires étrangères, rencontrée avec Archives, rencontrée avec ONI, pour être capable de comprendre les processus qui gagnaient autour de nouvelles constitutions et qui, genre, participation, eux, ont été prévoilés dans la nouvelle constitution. Et certainement, je dis à là, nous attendons que gagner un peu le côté dans la diaspora, on y a tant fou et pied li, on dans l'aéroport là, moi-même, j'ai tant fou et pied bien bonheur avec ONI,
pour que nous soyons capables de commencer la diaspora, le code d'identification nationale, pour que nous soyons capables de commencer à voter. Et nous arrivons là, nous sommes en République dominicaine, et nous avons plus de 40 000 cartes. Et nous croyons qu'au niveau de diaspora aux États-Unis d'Amérique, nous avons plus que 12 000 cartes. Et à cause de tout côté que fait, et non pas qu'on peut rentrer, mais quand même, les machines sont disponibles, il y a des côtés, les machines sont même arrivées. C'est justement à cause que le pays a fait même, les gens qui pourraient faire des formations pour les gens qui sont censés faire des cartes pour qu'on prenne une formation, qui fait que il y a des pays comme le Canada, comme la France, et nous ne sommes pas capables de faire des cartes. Mais quand même, je vous dis, nous connaissons que la Constitution, ça a, et diaspora joue un paquet d'avantages là-dedans parce que non seulement ils ont fait des propositions, les propositions qui étaient plus importantes, c'était son nationalité, hein, parce que diaspora a gagné quelques jours, ils ont traité le camp comme d'ado petit dehors, ils étaient voulu que ça suspende, et je crois que diaspora a joué une satisfaction. Dans tous les textes, ils n'ont pas gagné été changé. Nous connaissons que la diaspora a des gains de représentation et au niveau parlementaire, nous croyons que dans la constitution, la diaspora joue une satisfaction. Nous connaissons que la petite diaspora, nous qui fait de yo, yo te besoin de connaître que petite yo, yo même pas jamais qu'à dire ça haïtien. Nous croyons que ça a réglé dans la nouvelle constitution, tout ça veut dire que la diaspora a bien avancé. Et nous croyons tout pour garantir pour yoté bayo le surtout y a victime pour bien yo gen dans pays a vacabon sans nek monter sous bien diaspora et découper racher faire ça ouvrir. Et nous croyons que tout bayo ça garanti en dedans constitution ça tout. Et nous croyons que droit à l'investissement que diaspora a été gagné que l'était perdu, nous croyons qu'à travers une nouvelle constitution, ça a tout bas et ça a eu diaspora à bénéficier de nous. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là, et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, sans pas besoin de chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.